Ho Chi Minh quand l'Indochine voit rouge. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Avec Ho Chi Minh, l'Indochine voit rouge. C'est en 1887 qu'est fondée l'Union Indochinoise, une colonie française du bout du monde. C'est sous cette domination que naît, trois ans plus tard, en 1890, Nguyen Xinh Kung, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Ho Chi Minh. Une vie de combat pour l'indépendance de son pays, avec une lecture internationaliste au croisement des luttes, la lutte d'émancipation anticoloniale, la lutte anti-impérialiste, la lutte des classes aussi. En 1946, devenu président du Vietnam, Ho Chi Minh était de passage en France. Mes devoirs m'appellent auprès de mon peuple. Avant de quitter le sol français, je tiens à proclamer, une fois de plus, mon affection pour le peuple français. Les témoignages de sympathie que la France a prodigués au Vietnam dans la personne de son président ont contribué efficacement à cimenter l'amitié entre nos deux peuples. La France est la championne de la liberté et de la démocratie. Tout nous rapproche, notre idéal et nos intérêts. Aucune force du monde n'entravera la marche triomphante de l'histoire. En septembre 1946, Ho Chi Minh en France. Bonjour Alain Ruscio. Oui, bonjour. Quand on entend ça, on se dit, et nous n'allons pas faire du chronique, quoique pourquoi pas, en 1946, la situation s'annonce plutôt paisible pour la suite des relations entre la France et ce nouveau pays, le Vietnam. Oui, je dirais que la porte était entrouverte, qu'elle était rapidement, hélas, refermée pour déboucher ensuite sur 30 années de guerre. Et c'est vrai que ce moment 46 est étonnant pour qui, comme moi, travaille sur l'histoire coloniale depuis longtemps. Ce moment où le gouvernement provisoire de la Révolution de la République française avait accepté d'entamer un dialogue avec un leader auparavant inconnu, donc Ho Chi Minh, qui avait proclamé l'indépendance de son pays le 2 septembre 1945. Et donc il y a eu effectivement cette tentative illustrée par le travail de Jean Saint-Denis, par exemple, illustrée par la compréhension du général Leclerc, par exemple. C'est tout à fait étonnant aujourd'hui de voir ça. Et donc Ho Chi Minh signe avec Jean Saint-Denis un accord le 6 mars 1946 dans lequel la France reconnaît le Vietnam comme une république libre. Les Français avaient refusé le terme indépendant. Une république libre au sein de l'Union française. Et Ho Chi Minh est effectivement reçu comme un chef d'État au début d'automne 1946. Et donc, il rencontre par exemple Georges Bidault, qui par la suite sera un adversaire acharné. Et donc, il y a une scène, effectivement, où on a l'impression que cette Union française peut déboucher sur une décolonisation pacifique. On connaît la suite. Avec ces grands noms, Jean Saint-Denis que vous évoquez, le général Leclerc, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sont les acteurs de ce passage entre une colonie française et autre chose. Ce sont des compagnons de la libération, en tout cas Jean Saint-Denis, le général Leclerc, bien oui, sûr, oui, on voit bien son sûr, rôle. Oui, ce sont des gens de la France libre qui viennent au nom justement de l'expression également employée à l'époque de France Nouvelle, d'accepter une coopération future dans le cadre qui reste français à l'époque. On ne parle pas encore de décolonisation. Ho Chi Minh, si, mais pas les Français. Toute la différence est là. Et donc, effectivement, il y a cette porte, ce que j'ai appelé cette porte entrouverte, qui va se refermer ensuite parce que, parallèlement au sein du monde politique français, il y a également un lobby colonial, qu'on ne peut qualifier que de colonial, qui est extrêmement agressif et qui, j'ajoute, est également anticommuniste, ce qui n'est pas rien, puisque Ho Chi Minh est le seul leader du tiers-monde qui se réclame ouvertement du communisme. C'est un ancien de la Troisième Internationale, quand même. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire avec vous, Alain Ruscio. Essayez de comprendre. Premier temps, comment le Vietnam en est arrivé à obtenir l'indépendance, et ça c'est le travail d'Ho Chi Minh, de l'entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, et comprendre ensuite comment, une fois l'indépendance obtenue, vous l'avez dit, le 2 septembre 1945, en tout cas proclamée, on en arrive à une situation de guerre. Peut-être le mieux pour cela est de repartir aux origines, je le disais, 1887, c'est la naissance de la colonie française d'Indochine. Trois ans plus tard, naissait Ho Chi Minh, origine familiale. Ho Chi Minh est né en 1890 dans une province du Nord Annam, c'est-à-dire dans une province qui est située actuellement au sud du Nord Vietnam. Cette province du Nghệ An est vraiment le berceau de tout ce qui a été révolution au Vietnam depuis plusieurs siècles.
soit révolution anti-chinoise, soit révolution anti-mandarinale, soit révolution anti-française. C'est une région qui est extrêmement belle quand on la visite, une région de collines avec un ciel très pur, où la montagne baigne presque dans la mer, avec de très jolies plages. Bon, c'est très joli, mais c'est aussi très pauvre. Et c'est une région qui donne naissance à des gens qui ne peuvent pas se nourrir sur place. Alors ils ont deux solutions, ou bien ils apprennent pour devenir lettrés, fonctionnaires, entrer au service de la collectivité, ou bien ils émigrent. C'est le cas précisément, je crois, du père de Ho Chi Minh qui était, il me semble, un petit mandarin. C'était un petit mandarin, c'était un homme d'origine extrêmement modeste, mais il était énergique et il avait étudié et il avait été nommé mandarin, dokfu. Il avait d'ailleurs assez vite démissionné parce qu'il trouvait indigne de servir le régime du protectorat français. Et il était devenu un personnage assez abracadabrant, une espèce d'écrivain public. Et tout ça fait, vous voyez, à l'origine, un milieu marqué par la pauvreté et par la culture et par l'esprit d'indépendance. En 1971, Jean Lacouture, qui nous présentait la jeunesse d'Ho Chi Minh, ou en tout cas son univers familial, Alain Ruscio, univers intéressant, ici on le voit bien, tant par l'origine géographique, une province un tantinet rebelle, et puis même la figure du père. Oui, alors d'une part un tantinet rebelle, et comme Jean Lacouture l'a excellemment dit, également une des régions les plus pauvres du Vietnam, qui lui-même était immensément pauvre. Donc c'est vraiment, il ne faut pas se méprendre sur le terme de mandarin. Bon, et ce n'était pas, c'était vraiment une classe extrêmement populaire, extrêmement pauvre. Et donc le parcours même de son père est significatif, le refus de la domination coloniale. Et donc Nguyen Sinh Hung, puisque c'est son nom de naissance, qui n'est pas encore Nguyen Ai Quoc, qui est encore moins Ho Chi Minh, va effectivement s'interroger, et son interrogation va déboucher sur la notion de voyage, ce qui n'est pas le cas de tous les patriotes, bien sûr, certains restent sur place, et le voyage, il y a à cette époque deux options dans le monde nationaliste vietnamien, la notion de voyage vers l'Est, c'est-à-dire vers le Japon, ou la Chine, donc n'oublions pas qu'on est tout près de la révolution chinoise de 1911, on est tout près de la victoire japonaise sur la Russie tsariste de 1905. Donc et Ho Chi Minh, enfin qui n'est pas encore Ho Chi Minh, va opter pour la solution inverse, c'est-à-dire partir vers l'ouest, donc il va quitter son pays en 1911, donc il a 21 ans, s'interroger sur les mécanismes qui peuvent expliquer la domination française. Et il va partir en France. Il va partir en France. Il ne va pas partir comme un notable, au contraire, pour payer son voyage. Il va s'engager dans les messageries maritimes et il va faire la plonge. Il va être dans les cuisines, il va être dans les soutes pour pouvoir payer son voyage. Et il arrive en France, donc à Marseille, en 1911. L'une des premières choses qu'il dira par la suite, c'est-à-dire sa première surprise sera de voir des Français qui vont l'appeler monsieur. Ce qui évidemment dit beaucoup de choses sur l'esprit colonial. Il y a un côté aventurier dans la jeunesse d'Ho Chi Minh, parce que vous nous le dites bien, Alain Ruscio, il s'en va, il part comme ça, et il n'a pas d'argent, donc il va faire plein de petits boulots. Il va en France, mais il va même au-delà de la France. Enfin, bien sûr, on a retrouvé sa trace en Angleterre, il avait vécu à Londres, on a retrouvé sa trace aux États-Unis, il est passé, puisqu'il est toujours sur les messageries maritimes, et toujours en travaillant dans les soutes, il va aller à Boston, par exemple. On sait qu'il est passé par Dakar, il s'intéresse à tout, et déjà à cette époque il parle assez couramment français, avec l'accent qu'on a entendu tout à l'heure. Il va apprendre l'anglais, et il va donc essayer de travailler à Londres, juste pour un petit clin d'œil. Il va travailler dans les cuisines du grand maître Escoffier, par exemple. C'est pas rien, donc ça peut être sur une carte de visite. Donc pour montrer la curiosité, je dirais, intrinsèque de cet individu dès son jeune âge.
âge. Curiosité intellectuelle aussi, il rencontre des gens qui pensent le monde à ce moment-là. Oui, bien sûr. Alors, d'une part, bon, tous ces voyages dont je viens de parler. Ensuite, il se fixe en France, en tout cas pour quelques années. Les historiens ne sont pas tellement d'accord sur les sources parce que la police ne le surveillait pas encore à ce moment-là. Mais je pense qu'il est arrivé à peu près fin 1918. Et donc, il a commencé à rencontrer des gens. Et parmi les gens qu'il rencontre, eh bien, il rencontre les milieux de socialistes et les milieux de la Ligue des droits de l'homme. Et ça va être pour lui une ouverture phénoménale de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'ANAM, comme on dit à l'époque, ou à l'Indochine, comme on dit à l'époque. Ce ne sont pas ces gens-là des indépendantistes. L'indépendantisme est très, très faible après la Seconde Guerre mondiale. Il va commencer à prendre un certain essor avec l'existence du PCF. Un certain essor. Donc, il va rencontrer ces gens-là. Et puis, après, il y a le grand choix. On est donc en 1918. Le grand choix, c'est de savoir si on va soutenir la révolution soviétique ou pas. Et Ho Chi Minh va soutenir la révolution soviétique, pas tellement au nom d'une idéologie très très ancrée à l'époque. D'ailleurs, ces discours de l'époque ou ces textes de l'époque en témoignent. Ce ne sont pas des textes très structurés, en tout cas certainement pas marxistes, mais au nom tout simplement de savoir qui va soutenir la lutte de son peuple. Voilà, ça c'est une permanence de sa vie. Qui peut être un allié de la lutte pour l'indépendance de son peuple, parce que l'indépendance est déjà dans sa tête. Elle n'est pas encore exprimée publiquement, mais elle est déjà dans sa tête, évidemment. Alain Ruscio, vous êtes docteur en histoire, historien, l'auteur d'Ho Chi Minh, Écrits et combats, avec ici un personnage qui se trouve en France, qui nous vient de cette colonie d'Indochine. On peut rappeler quand même, puisque vous évoquez 1918, la fin de la Première Guerre mondiale, que ces populations-là ont été mobilisées pendant la guerre. Les annamites sont présents sur le territoire français. Bien sûr, les annamites, d'une part les travailleurs, et d'autre part, ça c'est assez drôle d'ailleurs, quelques soldats, mais qui sont recrutés très tard, parce que dans l'imaginaire colonial français, les Noirs d'Afrique, la fameuse force nègre du général Mangin, sont des combattants nés, hein, alors que les annamites sont si frêles qu'ils ne peuvent pas être des combattants, ce qui aujourd'hui nous fait sourire quand on connaît l'histoire militaire de ce pays au XXe siècle. Mais en tout cas, Joffre, par exemple, s'oppose catégoriquement jusqu'à, je crois, 1917, à ce que des soldats annamites viennent dans l'armée française et combattent ensuite. Effectivement, certains combattront et certains seront tués, évidemment, parmi les hélas millions de morts de la guerre de 14. Dans les négociations des traités de paix qui mettent fin à la Première Guerre mondiale, il y a cette idée portée notamment par les États-Unis du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous avons un personnage qui ne s'appelle pas encore Ho Chi Minh, mais qui se trouve en France, qui écoute tout cela et qui a un message à porter. Il y a un message à porter. Il va être co-rédacteur, puisque c'est lui qui signe, Nguyen Ai Quoc. Bon, alors, j'aurais dû préciser, c'est à ce moment-là qu'il prend ce pseudonyme, Nguyen Ai Quoc, que l'on traduit habituellement par Nguyen aime sa patrie. Donc, c'est quand même déjà tout le droit chemin est déjà fixé. Et donc, il va avec d'autres patriotes vietnamiens, mais lui peut-être écrit un petit peu mieux le français, rédiger les revendications du peuple annamite, qui ne sont pas du tout des revendications indépendantistes, c'est tout simplement un certain nombre de droits sociaux, de droits démocratiques, mais ce qui déjà à l'époque est complètement utopique. La liberté de la presse, l'accès pour tous à l'enseignement, une égalité de salaire, c'est complètement utopique en situation coloniale, et il le sait. Mais en tout cas, il porte ces revendications qu'il va essayer de distribuer aux congressistes de Versailles, donc on est en 1919, et évidemment, toutes les portes vont se refermer. On a deux, trois témoignages. On a le témoignage, par exemple, d'une dame qui est une de vos anciennes ancêtres, Geneviève Tabouy, qui raconte dans ses mémoires qu'un jour, elle était, je crois, secrétaire de la délégation française à Versailles, et un jour, elle a vu à sa porte un jeune annamite frapper à sa porte, et qui lui a remis les revendications du peuple annamite. Elle a transmis, mais en tout cas aucun délégué important de la conférence ne l'a reçu, et Wilson, l'Américain non plus. Avec cette déception, on peut le dire, de sa part, parce que c'est un moment, une opportunité sans nom de faire porter un message. Est-ce que c'est cela qui peut nous faire comprendre comment Ho Chi Minh va voir peu à peu un autre univers qui est celui de la lutte anti-impérialiste portée par les communistes, les soviétiques, l'URSS, c'est tout au début des années 1920. Sa radicalisation vient, mais c'est tellement fréquent dans l'histoire coloniale. On a plein de portraits de gens comme ça qui, dans un premier temps, ont tendu la main à la France
coloniale et devant qui les portes sont refermées. Donc lui va se radicaliser progressivement, encore une fois pas tellement sur des questions idéologiques, mais bon, uniquement pour la recherche d'alliances, et il va être délégué au congrès de Tours de fondation du PCF, donc en décembre 1920, et il va être parmi donc les fondateurs, et c'est un des seuls hommes au XXe siècle qui a été fondateur de 3 partis communistes, le français, le vietnamien, et à un certain moment de sa vie en exil, le thaïlandais. Voilà, donc ça veut dire que nous sommes en 1920, il y a ce congrès de Tours, congrès essentiel dans cette histoire des mouvements de gauche avec la scission entre les communistes et les socialistes de la SFIO, témoignage de Charles-André Julien, lui aussi présent. Une des choses dont on ne voit pas d'habitude au congrès du Tours, c'est combien nous étions jeunes. Vaillant Couturier avait 6 mois de moins que moi. Fossard avait 31 ans. Nous représentons la plupart du temps cette histoire avec les vieux barbus du Parti Socialiste. C'était des gens extrêmement jeunes, extrêmement vivants, et qui aimaient la lutte, la polémique, la recherche des solutions. Un seul homme, Vaillant Couturier, avait avec lui un garçon tout jeune, qui ne parlait pas un français excellent, mais dont les yeux de qui brillait une sorte de flamme. C'était le futur Ho Chi Minh. Nous étions les 2 coloniaux, et à la même table, nous avons discuté, et à la tribune, il a approuvé la nomination que l'on faisait de moi de délégué permanent au Parti communiste. Je le vois encore se dressant et à une interruption, criant « Taisez-vous, les parlementaires !» Il a apporté dans le Congrès une sorte de force qui n'était pas accoutumée. Nous étions en 1975 quand Charles-André Julien s'exprimait. Il était délégué au Congrès de Tours en 1920 et lui, il représentait le Maghreb. Hein. Sa famille, c'était l'Algérie, exactement. C'est intéressant de voir que Ho Chi Minh trouve ici, peut-être par la déception qu'il a eue de ne pas être entendu ailleurs, de quoi porter sa lutte anticoloniale. Oui, bien sûr, le jeune parti communiste a adhéré donc à l'International communiste qui impose ce qu'on appelait la 8e condition, qui est la lutte contre le colonialisme et également une lutte antimilitariste. D'ailleurs, c'est une chose qui est aujourd'hui un peu plus oubliée. Et donc effectivement, pour lui, c'est le critère absolu. Il dit d'ailleurs qu'il a fait son choix après avoir lu les thèses de Lénine sur la question coloniale qui était parue dans l'Humanité, qui était encore socialiste. C'est l'Humanité de l'été 1919. Hein. Donc, voilà, son critère essentiel est celui-ci. Ce n'est pas, et j'oserais dire, même si certains Vietnamiens pourraient me le contester, ça n'a jamais été un théoricien. C'était un homme pratique, quoique ses écrits sont toujours chargés de beaucoup de politique, évidemment. L'anecdote qui fait parfois sourire dit qu'un membre du Parti Socialiste à l'époque, avant Tours, lui avait offert le Capital de Marx, et dans sa petite chambre de l'impasse Compoing, qui s'appelle aujourd'hui la Villa Compoing, et comme il n'avait pas d'oreiller, il utilisait le Capital comme oreiller. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça montre bien un petit peu, en même temps, un peu les espièglerie, ça c'est quelque chose qui n'est pas habituel chez les dirigeants communistes. C'était un espiègle, c'était un homme qui avait un certain sens de l'humour, et d'ailleurs dans sa prose, il y a parfois des égratignures contre, par exemple dans le procès de la colonisation française que j'ai eu l'honneur de republier il y a une vingtaine d'années, un livre de 1925, il y a beaucoup de portraits qui sont vraiment des portraits au vitriol, mais avec tout plus de malice que de méchanceté. Et vous pensez qu'il a utilisé le Parti communiste pour appuyer son désir indépendantiste avec une conscience d'une lutte des classes? Oui, pourquoi pas, mais plutôt comme un moyen que comme un but à atteindre? Je dirais que Nguyen Ai Quoc a utilisé le PC et le PC a utilisé Nguyen Ai Quoc. C'est, je veux dire, en politique, quelque chose d'assez commun. Et le PC en avait bien besoin parce que jusqu'à la guerre du Rif, donc rappel 1925, on peut pas dire que les engagements internationalistes et anticolonialistes du PCF étaient phénoménaux. Il y avait effectivement d'une part des colonisés au sein du PC, hein, je pense à Nguyen Ai Quoc, mais également un Algérien qui s'appelait
s'appelait Abdelkader Hadjali, et puis certains métropolitains, appelons-les comme ça, comme Paul Vaillant-Couturier, et puis, citons son nom sans rougir, Jacques Doriot. Jacques Doriot était à cette époque-là également un de ceux qui a essayé de porter de développer le climat anticolonialiste au sein du PC. Voilà, avant de choisir la collaboration. Sa triste évolution. Ici, nous avons un personnage qui intéresse la police. Alors, vous nous l'avez dit au début, Alain Ruscio, il n'est pas très connu de l'historien, de l'historienne, parce que la police ne le suit pas, mais peu à peu, j'imagine que les fiches commencent à s'accumuler sur ce personnage qui intrigue Ho Chi Minh, celui qui vient de l'Indochine et qui s'exprime en plus, qui prend la parole au congrès de Tours. Camarades, j'aurais voulu aujourd'hui collaborer avec vous à l'œuvre de révolution mondiale. Mais c'est avec la plus grande tristesse et la plus profonde désolation que je viens aujourd'hui, comme socialiste, protester contre les crimes abominables commis dans mon pays d'origine. Vous savez que depuis un demi-siècle, le capitalisme français est venu en Indochine. Il nous a conquis à la pointe des baïonnettes et au nom du capitalisme. Depuis lors, non seulement nous sommes honteusement exploités et opprimés, mais encore affreusement martyrisés et empoisonnés. Voilà, camarades, comment plus de 20 millions d'anamites, qui représentent plus de la moitié de la population de la France, sont traités. Et pourtant, les anamites sont des protégés de la France. Le Parti socialiste se doit de mener une action efficace en faveur des indigènes opprimés. Le Parti doit faire une propagande socialiste dans toutes les colonies. Nous voyons dans l'adhésion à la Troisième Internationale la promesse formelle du Parti socialiste de donner enfin aux questions coloniales l'importance qu'elles méritent. En décembre 1920, Ho Chi Minh qui s'exprime lors du congrès de Tours. Alain Ruscio, ça lui vaut des ennuis tout cela ? Alors, je dirais, vous êtes comme moi historien, et les historiens ne cessent de remercier la police. Ben oui. La police, dès les revendications du peuple anamite, c'est-à-dire dès 1919, c'est ses toutes premières activités politiques, il est suivi par la police. Et à partir de là, c'est tout à fait phénoménal. Il y a à Aix-en-Provence un fonds qui est consacré justement, pas seulement à lui, mais en tout cas où il y a beaucoup de documents. Et on sait à peu près tout ce qu'il fait. On sait à peu près tout ce qu'il fait. La police arrivait tous les matins pour prendre son courrier, le lire évidemment, et le restituer le 24 heures plus tard, après, avec la complicité du concierge. On sait à quelle station de métro il descendait. On sait qui il rencontrait. On sait qu'il allait dans le bureau de Marcel Cachin, par exemple, à l'Humanité, après que l'Humanité soit devenue communiste. On sait même, et alors ça prouve que parmi les flics qui le suivaient, il y avait des Vietnamiens. Il y a même certaines conversations en vietnamien qui sont transcrites et que l'on peut retrouver. Donc, c'est du pain béni. Moi, j'aurais jamais pu faire ce livre biographique, et honneur à mes collègues également, Pierre Brocheux et Daniel Emery, qui ont également fait des... On n'aurait jamais pu faire ces travaux sans l'aide amicale de la police. Et le voyage encore ? Alors, il continue à voyager. D'abord, il voyage beaucoup en France. Il participe au premier congrès, cette fois-ci, du PCFS Qualité à Marseille en 1921. Il échappe une fois de plus à la police. Et puis, à un certain moment, c'est devenu invivable. Et il sait que s'il est arrêté par la police, et arrêté, bon, il aurait pu l'être en métropole, mais surtout s'il est expédié au Vietnam, sa vie est en danger. Les autorités mandarinales à l'époque, à la solde, bien sûr, des Français, l'ont condamné à mort, et donc il va fuir la France. Où va-t-il ? Il va à Moscou. C'est pratiquement pour lui une évidence. C'est d'ailleurs le seul pays dans lequel il peut être tout à fait en tranquillité. Et donc il va devenir un homme de la Troisième Internationale. Je crois pouvoir dire qu'il n'a jamais été un apparitchik. Il a toujours, tous les témoignages concordent, il a toujours eu une vie modeste, il a toujours eu d'abord une pensée autonome, et c'était pas si facile sous le stalinisme. Je dirais qu'il a été
un stalinien de surface. C'est-à-dire que il disait oui mon général de quand Staline lui donne, enfin lui Staline ou les pontes de la troisième internationale lui donnaient des conseils et même des ordres et il ne faisait vraiment qu'à sa tête. L'exemple le plus connu c'est celui de la fondation du Parti communiste vietnamien. Il va fonder donc en 1930 parce qu'après il va aller en Chine, il va aller en Thaïlande, il va aller en Birmanie. C'est vraiment un émissaire de la révolution mondiale. Son centre d'intérêt c'est le Vietnam, mais il va un petit peu partout. Et donc, en 1930, il va fonder le Parti communiste vietnamien et l'Internationale communiste va mettre le holà en lui disant il faut respecter le cadre de l'administration française, donc il faut que ce soit un Parti communiste indo-chinois. Donc il s'incline, mais il n'en pense pas moins. Et donc, quand 41 reviendra dans son pays, il fondera le Front de Libération du Vietnam, le fameux Viet Minh. 1941, il est de retour en Indochine. D'ailleurs, on peut imaginer l'émotion de ce grand voyageur qui a quitté l'Indochine en 1911. 11, c'est ça, 30 ans pile. 30 ans pile, il revient dans son pays. Il est certain que la situation a changé. Le contexte est important. Ici, bien sûr, 1941, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais se sont donc vus assez vite battus. Et alors, leur aventure asiatique, dont le slogan avait été « l'Asie aux Asiatiques », où l'Asie est une, et dont tout le programme était de libérer l'Asie des Blancs, eh bien cette aventure asiatique, ils l'ont terminée en se disant, on est fichu, on s'en va, mais avant de partir, mettons le feu à cette Asie, et laissons partout des bombes à retardement qui éclateront dans les pieds des colonisateurs quand ils reviendront. Et ce calcul, en fait, a été réussi. Et ce qui fait que, en mars, 45, donc, les Japonais ont décapité la superstructure française qui restait là sous l'amiral de Kou, se sont installés là, et dans les 6 mois qui sont restés, ils ont liquidé l'influence française et, entre autres choses, favorisé et armé la rébellion du Viet Minh qui allait accueillir le général Leclerc quand il allait revenir sur les lieux. En 1965, Robert Guillain, grand reporter spécialiste de l'Asie, qui rappelait que l'Indochine française pendant la Seconde Guerre mondiale était japonaise. Alors, pour bien comprendre cette période, avec une densité chronologique, c'est très court, mais c'est très vite, c'est vraiment ça. Alain Ruscio, il revient au Chimine en 1941 en Indochine. Il fonde un mouvement qui est un mouvement de lutte. Il pense à la lutte armée pour chasser le colon français. Bien sûr. En réalité, quand il rentre au Vietnam, donc sur sa terre natale, d'abord il arrive par la Chine, évidemment, il s'installe tout près de la frontière chinoise pour pouvoir une base de repli. C'est le moment d'ailleurs où il va rencontrer ceux qui vont devenir ce qu'il appelait ses fils préférés, Pham Van Dong, qui était après son premier ministre, juste pendant la guerre américaine d'ailleurs, et puis Von Nguyen Giap, qui n'a aucune formation militaire à ce moment-là. En tout cas, il va théoriser en quelque sorte la lutte et contre les Japonais et contre les Français, puisqu'à ce moment-là, officiellement, la France, c'est la France de Vichy, la France fait toujours flotter son drapeau sur la colonie extrême-orientale. Et donc il va programmer ce mouvement. Mais ce mouvement est extrêmement, extrêmement mince à l'origine. Il va progressivement... Je crois que c'est une permanence du mouvement national vietnamien de mettre le politique avant le militaire. Ça, c'est une chose très intéressante. Suivez mon regard, ça n'a pas été le cas de tous les mouvements de libération nationale. Et donc, l'idée, c'est de conquérir les esprits. Et donc, progressivement, il va mettre en place une propagande, y compris une propagande dans les langues des minorités. On est dans une zone où il y a énormément de minorités avec des langues diverses. Il va même imposer parfois au cadre du Viet Minh, au premier cadre du Viet Minh, d'apprendre les langues des minorités, qui ne sont pas forcément vietnamophones. Et donc, il va vraiment avoir une sorte de couverture. La première brigade de propagande armée dirigée par Diab date de, je crois, décembre 1944. Entre 41 et 44, ce n'est que du travail de propagande. Et progressivement, son nom va apparaître comme le symbole. Et le,
le bouche à oreille fonctionne énormément, pas seulement dans la région qu'il contrôle, mais également dans les villes. On sait aujourd'hui qu'à Hanoï, par exemple, le nom d'Ho Chi Minh commence à être connu, puisque, j'ai oublié cette parenthèse, il a pris ce pseudonyme pendant la Seconde Guerre mondiale en 42. Hein. Le nom d'Ho Chi Minh commence à être connu, et il apparaît comme l'homme qui peut symboliser, à un moment où toutes les autres forces politiques vietnamiennes, à commencer par Bao Dai, par exemple, soit ont capitulé, soit se sont ralliés gentiment aux Français et ensuite aux Japonais. Bao Dai proclame une première indépendance du Vietnam sous la coupe japonaise en mars, le 11 mars, je crois, 1945. Donc voilà, il va être le seul, et c'est ce qui explique sans doute le succès du Viet Minh. Ajouté à cela qu'il a l'intelligence politique de mettre au second plan ses options communistes. Certains pourraient dire que c'est de l'opportunisme, et d'ailleurs certains de ses camarades de la Troisième Internationale ne sont pas gênés pour le lui dire, et même parfois essayer de le sanctionner. Mais en tout cas, c'est un geste éminemment politique, de dire faisons un front, un véritable front, et puis un front dans lequel incontestablement les communistes ont les manettes en main. Mais bon, c'est véritablement le combat national qui s'impose. Et puis arrive effectivement cette période exceptionnellement compliquée et dense après le coup de force japonais, donc du 9 mars 1945, au cours de laquelle les Japonais décapitent complètement l'administration française. N'oubliez pas, on est en mars 45, les Japonais ont commencé leur reflux dans l'océan Pacifique, et donc ils sentent que la défaite se profile. Mais moi, je suis un petit peu, j'ai eu la joie de rencontrer Robert Guillain naguère, qui a été un très très grand reporter du Monde, en particulier au moment de Dien Bien Phu, je pense que on vous en parlerait demain. Je m'inscris un peu en faux dans cette idée que les Japonais auraient instrumentalisé le Viet Minh et les mouvements nationaux en général. Le nationalisme vietnamien ou le patriotisme vietnamien n'avait pas besoin des Japonais pour être actif. Il a été actif en permanence. Il n'y a pas eu une année sous la domination coloniale où il n'y a pas eu des mouvements de protestation, des révoltes, des manifestations, des emprisonnements, bien sûr. Donc, Ho Chi Minh a finalement mis la touche finale à ce mouvement de lutte. Avec ce nom, maintenant, nous pouvons l'utiliser sans anachronisme. À partir de maintenant. Ho Chi Minh, ça a un sens particulier, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, on dit que c'est celui qui apporte la lumière. Bon, ça ne correspond pas à son personnage, ça c'est assez étonnant. Et en tout cas, c'est celui qui apporte l'indépendance. Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay. Một dân tộc đã gan gốc đứng Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans. Un peuple qui, durant ces dernières années, s'est décidément rangé du côté des Alliés pour lutter contre le fascisme. Ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant. Le 2 septembre 1945, l'indépendance du Vietnam proclamée par Ho Chi Minh à Hanoï. C'est quelque chose qui bouleverse les Français, c'est quelque chose qui fait dire que ça y est, la colonie est perdue, ou alors c'est un événement qui paraît bien dangereux, mais en fait en marge de ce que les Français peuvent espérer de l'avenir. Alors je répondrai, ça dépend pour qui. Les officiels français, évidemment, commencent très sérieusement à s'inquiéter, d'autant plus que l'identité d'Ho Chi Minh, comme un leader communiste, n'est pas immédiatement connue des services français. Il a vraiment brouillé les pistes et il a joué au chat et à la souris, et dans ce cas précis, c'est la souris qui a gagné. Il y a cette interrogation des services français, d'une part. En même temps, cette sous-estimation de la force du mouvement national.
Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et l'un des plus, je dirais, des plus responsables de cette sous-estimation, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle a à ce moment-là un comportement, une analyse. N'oublions pas qu'il quitte le pouvoir en janvier 46. Donc après, évidemment, il aura beaucoup moins de poids. Mais si le général de Gaulle était resté au pouvoir en 46, je pense que même les accords de 6 mars et l'invitation d'Ho Chi Minh n'auraient pas été possibles en 46. En tout cas, donc, voilà la France officielle. Quant à la France qu'on peut appeler profonde, elle ignore à peu près tout. Vous savez comme moi que la presse, à l'époque, c'est une feuille, un recto verso. Hein, donc, il y a la crise du papier. Et moi, j'ai traqué vraiment la façon dont la presse a connu l'événement de septembre 45. Dans Le Monde, c'est un entrefilet. Dans Franc-Tireur, dans Combat, dans L'Humanité, ce sont vraiment des toutes petites informations. Et personne ne comprend la portée historique enfin, personne, encore une fois, dans la France profonde. Les services, évidemment, commencent à s'inquiéter. Et d'ailleurs, c'est le moment où le corps expéditionnaire français était envoyé en Indochine, à l'initiative de De Gaulle, encore une fois, avec le tristement célèbre amiral d'Argentlieu, qui va être vraiment l'homme de la guerre. Et puis, en même temps, et parallèlement, c'était étonnant, le général Leclerc, qui lui va rapidement comprendre, que le mouvement national a des racines très très profondes. Au Vietnam, d'ailleurs, l'écho de cette proclamation d'indépendance. Alors, au Vietnam, c'est énorme. Au Vietnam, c'est énorme. On a tous les témoignages attestent qu'à ce moment-là, il y a un enthousiasme phénoménal, pas seulement à Hanoï. La proclamation de l'indépendance est connue un petit peu même dans les petits villages. Le Viet Minh a déjà à ce moment-là un réseau très dense. Les drapeaux rouges à étoiles d'or surgissent un petit peu partout. Alors, il y a un aspect manipulation, il y a un aspect incontestablement organisation. On retrouve le vétéran de la troisième internationale. Mais en tout cas, ça, il a su cap. Alors, les adversaires d'Ho Chi Minh diraient qu'il a capturé l'idée nationale, d'autres diraient qu'il l'a capté. Après, on peut avoir les interprétations qu'on veut. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la constatation, et il y a d'ailleurs un document qui est absolument fabuleux, qui est la lettre de Bao Dai au général de Gaulle. C'est un événement peu connu. Bao Dai va abdiquer, il va avoir une formule très belle d'ailleurs, et malheureusement par la suite il ne l'aura pas confirmé, de dire je préfère être un citoyen libre d'un pays libre qu'un empereur d'un pays soumis. Donc il va abdiquer volontairement, il le dit dans ses mémoires par la suite, et il va écrire au général de Gaulle donc en 45, je ne sais plus la date exacte, mais pendant l'été 45, en lui disant surtout ne déclenchez pas une guerre de reconquête, car le pays entier, chaque villageois va devenir un ennemi de la France. Et donc, c'est malheureusement ce qui s'est passé. Bao Dai, l'empereur du Vietnam, qui oui. était associé aux autorités françaises, ou oui. pour le dire autrement, les autorités françaises qui avaient réussi... Il l'avait mis sur le trône, oui. Voilà. On peut dire ça comme ça. Et il, à son corps défendant, sans doute, c'était sans doute pas un mauvais bourg, mais il a été instrumentalisé par les Français, comme un certain nombre de souverains ou de dirigeants dans d'autres pays colonisés. Imaginons Ho Chi Minh devenu président du Vietnam, demandait à Bao Dai de revenir au pouvoir. Témoignage de Bao Dai. Ho Chi Minh a voulu entamer des accords avec la France. Et avant d'entamer les accords avec la France, je sentais qu'il se trouvait en mauvaise position. C'est pourquoi, un jour, il m'a demandé de prendre sa place. C'est-à-dire que lui s'en irait et qu'il me céderait la présidence de la République. Alors je lui ai demandé si son désir était sérieux ou bien si c'est une comédie de sa part. Il ne m'a dit pas du tout. Je vous cède ma place parce que je suis trop rouge et je n'ai pas la confiance des alliés. Alors c'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec mes anciens collaborateurs pour former soi-disant un gouvernement provisoire. Et c'est dans la journée même qu'il m'a rappelé Ho Chi Minh en disant « Écoutez, j'ai eu un moment de faiblesse, voulez-vous ne pas m'en vouloir ?» Alors je lui dis « Mais je ne demande pas mieux que vous continuiez à exercer votre métier, et moi je suis là, si je peux vous être utile. » Et c'est comme ça que nous avons préparé les accords du 6 mars qu'il avait signé avec Saint-Denis. Bao Dai,
ancien empereur du Vietnam, qui s'exprimait en 1991 à propos de ces accords du 6 mars 1946. Au-delà de savoir que c'est assez rigolo d'imaginer Ho Chi Minh dire bah, « vous allez prendre... » Mais puis non, deux heures plus tard, je me ravise. C'est moi qui vais rester président. Oui, ben d'ailleurs, Baoda, il a eu le statut officiel de conseiller politique. De conseiller politique d'Ho Chi Minh jusqu'au moment du clash avec les Français. Où à ce moment-là, il a choisi son camp. Enfin, il a choisi, à ce moment-là, plutôt la tranquillité en partant en exil à Hong Kong. Et c'est après, à partir de 48, que les Français ont été le rechercher à Hong Kong pour le transformer, pour l'utiliser de nouveau. Ça, c'est malheureusement, d'ailleurs, dans ses mémoires, il en parle beaucoup avec une certaine tristesse. Il a été instrumentalisé une fois de plus. C'est quoi ces accords du 6 mars 1946? 46. Alors, le général Leclerc, quand il arrive au Vietnam, il arrive par le sud, à Saigon, en octobre 45, il va entamer la reconquête de ce que les Français appellent à l'époque la Cochinchine, donc le sud du Vietnam. Et alors, il y a un épisode tout à fait étonnant. Leclerc a comme mandat de reconquérir la totalité de l'Indochine, et il y a à Hanoï un délégué militaire, donc à Hanoï qui est donc entre les mains de Ho Chi Minh et du gouvernement provisoire à l'époque, il y a un délégué militaire qui s'appelle Raoul Salan. Salan est un vieil indochinois. Son premier poste était en 25-26, je crois. Donc il connaît bien l'étonnement, c'est de constater que Leclerc donc demande à Salan s'il y avait possibilité de faire la même chose au Tonkin, comme on disait, qu'en Cochinchine. Et Salan lui répond: n'en faites rien, mon général. C'est Salan qui, alors après, on connaît son parcours ultérieur, mais c'est Salan et Saint-Denis, bien sûr, qui sont les réalistes dans l'affaire. Bah oui, parce que on va le retrouver en Algérie, bien sûr. Bien sûr. Général Salan, on pense à la guerre d'Algérie, mais il y a l'Indochine avant. Ici, on a une idée de guerre déjà qui apparaît du côté français, parce que c'est toute cette réflexion que nous avons pour savoir comment on en arrive à la guerre du Vietnam. Proclamation d'indépendance, ces accords de mars 1946. Alors, je vous ai pas répondu complètement sur les accords de mars 1946. Donc, effectivement, Leclerc, à ce moment-là, prend conscience de la force du nationalisme vietnamien et va effectivement monter à Hanoï et signer, enfin c'est Saint-Denis qui signe, mais Leclerc est partie prenante, les accords du 6 mars. Donc, je répète la formule, la France reconnaît la République du Vietnam comme un État libre au sein de l'Union française. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à fait en début de conversation la porte entrouverte. Mais il y a également au sein du monde politique français, en particulier les ministres MRP, par exemple la Démocratie chrétienne, qui sont hostiles et immédiatement le parti belliciste va reprendre du poil de la bête, si je puis dire. Ça, c'est du côté français, parce que du côté d'Ho Chi Minh, ce n'est pas le même discours. On va écouter quelqu'un que vous avez déjà cité, Alain Ruscio, c'est Phan Phan Dong, qui est le premier ministre d'Ho Chi Minh à ce moment-là. Il s'exprime plus tard, en 1991. Notre président, Ho Chi Minh, était l'incarnation de la paix. Il voulait la paix. Il faisait tout pour avoir la paix, surtout avec la France. C'était un dialogue de sourds. Ho Chi Minh demandait que la France acceptât l'indépendance de son pays, qui resterait dans la Fédération indochinoise et dans l'Union française. Eh bien, savez-vous comment il lui fut répondu? Il lui fut répondu que le mot indépendance n'existait pas dans le vocabulaire français. Avec toujours un peu de mépris et de racisme, oui, évident dans ce discours-là. L'Union française est mise en place, bien sûr, cette organisation 1946 pour accueillir ces colonies, les conserver dans le giron français. C'est ce qu'aurait accepté Ho Chi Minh? Il l'a accepté. Et même Pham Van Dong que l'on vient d'entendre, vous avez remarqué qu'il utilise un imparfait du subjonctif. Hein. Imparfait du subjonctif, sublime. Mais vous l'avez repéré aussi. Oui, ça m'a fait du bien à l'oreille. Oui, c'est étonnant. Bon, on pourrait demander à certains politiques d'aujourd'hui d'utiliser le même français. En tout cas, Pham Van Dong, pendant la conférence de Genève, va rééditer sa demande. Alors, le contexte a complètement
changé. C'est essentiellement pour éviter le face-à-face avec la Chine. Hein. Ça, c'est aujourd'hui, on le sait. Mais en tout cas, oui, je reviens à 46. Je crois que la demande était sincère. N'oubliez pas qu'Ho Chi Minh n'avait pas le choix. Ho Chi Minh avait l'armée nationaliste chinoise, aussi encore l'armée nationaliste au nord, qui était extrêmement menaçante, qui a même à un certain moment occupé les parcelles du territoire vietnamien. Le monde communiste, auquel Ho Chi Minh pourtant était attaché, a superbement ignoré la République démocratique du Vietnam. L'Union soviétique n'a pas reconnu. La diplomatie stalinienne se fichait complètement du Vietnam. La République démocratique du Vietnam a été reconnue par Moscou en février 50, c'est-à-dire 5 ans plus tard, 4 ans et demi. Vous voyez, il y a vraiment une... Il y a un isolat vietnamien qui fait qu'Ho Chi Minh cherche des alliés et qui d'autre peut-il espérer comme allié, si ce n'est la France tutrice, mais en même temps la France qui sort de la résistance, la France dans laquelle le Parti communiste est encore important. Donc il peut espérer une sorte d'alliance discrète avec les communistes français. Donc tout ça fait que il le fait sans doute par choix, mais également peut-être avec une rappelez-vous sa déclaration de tout à l'heure. Une certaine illusion peut-être sur la France des Lumières, sur la France qui pourrait sortir par elle-même de l'esprit colonial. Donc ça s'est révélé malheureusement une utopie. Oui, parce que Ho Chi Minh est porteur de ce discours que l'on retrouve plusieurs fois enregistré à Radio Hanoï lors de conférences en France dans les années 1945-46. Mm-hmm. Il revient en France, cette conférence est enregistrée. Pour commencer, en mon nom personnel et au nom de mon peuple vietnamien, j'adresse un salut fraternel au peuple français. Toute ma vie, j'ai lutté contre le colonialisme français, mais j'ai toujours aimé et admiré le peuple français. C'est un grand peuple, sensible et généreux, qui, le premier, a levé l'étendard des nobles principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Nous voulons que la collaboration entre nos deux peuples soit libre, loyale et fraternelle. Nous voulons des collaborateurs, des amis, des conseillers même, mais non des maîtres qui nous exploitent et nous oppriment comme avant. C'est très clair hein, ce que dit Ho Chi Minh. Lui, il fait, vous avez utilisé cette expression, hein, la Russie, c'est vraiment une porte ouverte, mais elle est grande ouverte pour l'amitié franco-vietnamienne. Oui, je crois qu'il y avait une énorme dose de sincérité. Bon, ses adversaires nationalistes ont même parlé d'une certaine candeur coupable. Et il avait des adversaires nationalistes, un certain nombre de Vietnamiens, des nationalistes, je dirais, pur jus, également des trotskistes. D'ailleurs, il y a eu des éliminations physiques de trotskistes à cette époque-là, c'est une chose connue. Donc voilà, il marchait un petit peu il était sur des charbons ardents en quelque sorte, mais il espérait s'en sortir justement par cette coopération avec la France. Et puis arrive le bombardement d'Haïphong de novembre 46, qui est une déclaration ouverte de guerre, bon, pas officiellement, puisque la guerre d'Indochine, comme la guerre d'Algérie plus tard, ne sera pas considérée comme une guerre, en tout cas officiellement, mais à partir du moment où les Français sont présents et occupent le Sud, sont très présents au centre et commencent à bombarder le Nord, le poumon du Tonkin, Haïphong, eh bien, ouvertement, c'est la déclaration de dire, bon, nous allons nous réemparer de l'ensemble du Vietnam. Donc, c'est à ce moment-là, 19 décembre 46, riposte du Viet Minh, et Ho Chi Minh prend le maquis immédiatement dès le 20 ou 21 décembre 46. On voit bien hein, toute sa formation. Pour la propagande, il a fait ce petit tour à Moscou, et c'est vrai qu'auprès du Comintern, il a appris tout cela, et puis il y a tout son parcours en France, et puis
Il a été en Chine également, du temps où les communistes autour de Mao Zedong, eh bien, savaient très bien mener cette lutte-là. Bien sûr, oui, oui, il a vécu en Chine. Bon, c'était bien avant, il a vécu en Chine dans les années 25, 26, 27, donc pas bien avant la révolution chinoise. Mais en tout cas, effectivement, il avait dès ce moment-là, il a toujours eu des liens très forts avec les communistes chinois. Après, bon, il y a tous les événements qui sont produits, et puis ce que les Vietnamiens ont considéré comme une trahison des accords de Genève. Mais en tout cas, à ce moment-là, Ho Chi Minh était très lié aux Chinois. Mais en même temps, je dirais, comme j'ai employé tout à l'heure l'expression qu'il était un stalinien de surface, je crois qu'il était un maoïste de surface également. Et il y a plusieurs exemples. Par exemple, bon, l'histoire de la fameuse réforme agraire de 1953 que Staline le premier, d'ailleurs, en 1950, a exigé d'Ho Chi Minh et ensuite les conseillers chinois. Et là aussi, c'était un petit peu cause toujours, jusqu'au moment où il était bien obligé parce que, s'il voulait continuer à avoir un approvisionnement en armes, en munitions et en conseillers d'ailleurs, il fallait bien qu'il l'applique là. Et ces réformes agraires, c'est révélé une catastrophe. Oui, parce qu'il avait compris que ce que lui imposait Staline, mais sur un modèle chinois de Mao, ça allait droit dans le mur. Ça allait droit dans le mur. Il y avait une spécificité nationale du Vietnam et on ne peut pas dire que Staline était, malgré ses ouvrages sur la question nationale, on ne peut pas dire que Staline était quelqu'un qui avait une fine analyse des différenciations nationales. On peut dire, Alain Ruscio, que c'est vraiment ce choix de la France d'utiliser les armes qui fait que Ho Chi Minh se tourne vers la Chine et vers Staline. Les contacts n'avaient jamais été rompus, mais c'est ça qui fait basculer. Première information, c'est que cette guerre populaire de Vietnam, qui donc commence en décembre 46, sera isolée jusqu'à décembre 49. C'est-à-dire que pendant 3 ans, les maquis vietnamiens qui s'approvisionnent en armes, il y a des trafiquants internationaux qui approvisionnent en armes. Bon, mais enfin, en tout cas, ils sont quand même très isolés. Et donc déjà, c'est un signe. Ils ont résisté quand même à l'armée française pendant ces 3 années. Et puis, évidemment, l'arrivée. Bon, je vous rappelle, la proclamation de la République populaire de Chine, c'est octobre 49, et les troupes, l'armée chinoise arrive massivement à la frontière en décembre 49. À partir de ce moment-là, il y a une sorte de poumon d'une part base de repli et d'autre part approvisionnement. Et puis, c'est une époque aujourd'hui que peut-être que les mondes d'un temps ne connaissent pas, mais c'est une époque où le monde communiste donc commence par, dans les maquis du Viet Minh, passe par la Chine, l'Union soviétique et toute l'Europe de l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'immense tache rouge, si on peut dire. Et donc, il est adossé à partir de ce moment-là et la nature de la guerre change complètement. D'ailleurs, les Occidentaux le comprennent très vite. Les Américains, immédiatement, n'oubliez pas que c'est le déclenchement de la guerre de Corée l'été 1950. Donc tout ça fait que la guerre qui était dans un premier temps une guerre, je dirais, entre guillemets purement de libération nationale, devient une parcelle de la guerre froide. Et donc à partir de ce moment-là, bien sûr, l'approvisionnement en armes, en munitions et en vivres de la part de la Chine, mais également des autres pays socialistes, mais surtout de la Chine, va permettre aux maquis vietnamiens de croître. La première grande défaite de l'armée française, c'est ce qu'on appelait la route coloniale numéro 4 entre Cao Bang et Lang Son, où l'armée française subit un revers majeur, aussi important que Dien Bien Phu, beaucoup moins connu, mais aussi important que Dien Bien Phu. Donc voilà, à partir de ce moment-là, et évidemment, les Américains vont aider puissamment l'armée française. Le budget 1954, la dernière année de guerre de la guerre d'Indochine, le budget français sera couvert à 78% par les dollars américains. Et il y a des conseillers américains également. Donc la guerre d'Indochine est devenue vraiment un front chaud de la guerre froide. Ce n'est pas un théoricien, Ho Chi Minh, Alain Ruscio, vous nous l'avez dit, ce n'est pas des écrits, il n'y a pas le petit livre rouge d'Ho Chi Minh. Est-ce que c'est un chef de guerre? Oui, c'est un chef de guerre, mais qui a su déléguer. Alors évidemment, on pense immédiatement au général Giap, qui n'a été général d'ailleurs que sur le tard. Hein. Général Giap, j'ai eu la chance de le rencontrer, il m'a fait ses confidences, il m'a dit quand Ho Chi Minh, donc on revient en 1941, dans les maquis du Viet Minh en 41, quand Ho Chi Minh m'a dit occupe-toi des questions militaires, il m'a dit moi j'ai foncé à la bibliothèque centrale de Hanoï pour essayer de regarder dans le Grand Larousse ce qu'était une grenade, ce qu'était un fusil, etc.
il connaissait pas grand chose. Mais bon, il avait le sens un petit peu de. En même temps, d'ailleurs, quand il était élève à l'université, il paraît qu'il s'intéressait beaucoup au rôle de Napoléon. Il paraît qu'il était un fan de Napoléon. Donc, on voit la filiation. Et donc, pour répondre à votre question, Ho Chi Minh n'était pas un grand chef de guerre parce que c'était pas son métier. Bon, son métier, c'était effectivement d'être la figure, l'icône de la lutte pour l'indépendance. Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de la guerre américaine. Mais jusqu'en 1969, il est resté le symbole. On sait aujourd'hui qu'au sud Vietnam, dans l'époque pro-américain, Ho Chi Minh était connu, parfois vénéré. Après, il y a eu la délégation de pouvoir en quelque sorte à Giap, qui s'est révélé un homme d'un génie militaire exceptionnel. Bon, demandez à tous les militaires français, enfin les survivants qui ont fait la guerre d'Indochine, ils sont tous estomaqués par le génie militaire de Giap. La Dien Bien Phu a été, on vous en parlerait demain, j'empiète un peu sur mes collègues de demain, mais Dien Bien Phu a été tout autant un succès du génie de Giap qu'une bêtise supposée d'ailleurs, on verra ce qu'en diront mes collègues demain, une bêtise supposée des généraux français. En tout cas, c'est formidable d'avoir pu traverser cette période et comprendre comment l'Indochine devient le Vietnam et comment le Vietnam entre en guerre, tout ça à travers la figure d'Ho Chi Minh, et vous l'avez dit, Alain Ruscio, il y a cette autre période qui suit, qui est la guerre du Vietnam avec les États-Unis jusqu'à la mort d'Ho Chi Minh en 1969, qui est... Un 2 septembre. Un 2 septembre, comme quoi on a toujours le symbole, 2 septembre étant en 1945, oui, la date de la proclamation de l'indépendance. Merci vivement à vous. Alain Ruscio, il y a votre Ho Chi Minh, les écrits et combats, bien sûr, qu'on va retrouver. Il y a Paris colonial et anticolonial aussi avec Marcel Dorigny. Promenade dans la capitale. Paris, évidemment, une histoire de l'esclavage et de la colonisation. C'est ce regard que vous portez sur cette histoire internationale, celle qui nous concerne. Bien sûr, dans les rues de Paris, l'histoire coloniale et anticoloniale est omniprésente. Merci vivement à vous d'être venu dans le cours de l'histoire. Merci à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi les étudiants s'engagèrent-ils aux côtés des ouvriers pendant la révolution de 1830? Dans la première moitié du XIXe siècle, si l'on excepte les élèves des grandes écoles, le monde étudiant se limitait aux élèves des facultés et de l'école de pharmacie. Ce premier âge de notre enseignement supérieur était largement dominé par la suprématie parisienne. Entre 1815 et 1848, la capitale délivra 55% des licences en droit, 66% des doctorats en médecine et 70% des diplômes de pharmacie. Le recrutement massivement provincial des étudiants, qui résultait de cette domination parisienne, eut pour effet de conforter leur regroupement sur une base régionale, à une époque où la société française était beaucoup plus diverse qu'aujourd'hui. Ces liens de sociabilité furent favorisés aussi par le fait que la très grande majorité des étudiants résidaient dans le Quartier Latin ou à proximité. Ils évoluaient ainsi dans un espace conjuguant les lieux dédiés à la fois au savoir et au loisir. Déjà à cette époque, en effet, les restaurants, les cafés, les bals animaient la vie nocturne du Quartier Latin. Mais au XIXe siècle, seule une petite élite pouvait accéder à l'enseignement supérieur. Même les textes officiels expliquaient clairement que les facultés et les grandes écoles étaient réservées aux jeunes hommes issus des familles disposant d'un capital économique et relationnel suffisant pour qu'ils puissent accéder eux aussi au même statut que leurs parents. Le diplôme n'était donc pas un moyen d'ascension sociale, mais une nécessaire formalité. Malgré cela, l'enseignement supérieur était déjà très sélectif. Le pourcentage d'échecs aux principaux examens était élevé et 7 années d'études en moyenne étaient nécessaires pour décrocher le doctorat en médecine. La concentration des étudiants dans un même espace, la force des liens de sociabilité et les tensions
qu'alimentaient des études très exigeantes, explique les accès de fièvre qui touchèrent ce milieu social à intervalles réguliers entre 1815 et 1848. Ces troubles furent sévèrement réprimés par le pouvoir royal à coups d'ordonnances, de procès et de conseils de discipline. L'épisode le plus connu de l'engagement estudiantin se produisit dans la nuit du 27 au 28 juillet 1830, quand un groupe d'étudiants se joignit aux ouvriers et aux gardes nationaux en criant « Vive la charte ! À bas les ministres ! À bas les Bourbons !» Ce fut le point de départ de la révolution des Trois Glorieuses, qui mit fin à la Restauration. Une huile sur toile, peinte en 1831 par Amédée Bourgeois, conservée au musée de Versailles, montre le rôle que jouèrent les étudiants au sein de la foule qui prit d'assaut l'hôtel de ville le 28 juillet 1830. Mais cette alliance entre les ouvriers et les étudiants ne concerna que des effectifs très réduits et fut exceptionnelle. Les étudiants républicains défendaient une démocratie politique fondée sur le suffrage universel masculin et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui excluait toute forme d'engagement en faveur d'une démocratie sociale basée sur le droit des travailleurs.